RTL Soir, 18h18, Florence Cohen. Neymar est donc arrivé à Paris, il fait partie de l'équipe du PSG désormais. Bonsoir Didier Quillot. Bonsoir. Vous êtes le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnelle. Le championnat de Ligue 1, on le sait, reprend ce soir. Pourquoi l'arrivée de Neymar, c'est une bonne nouvelle ? Neymar, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, bien sûr, mais pour tous les clubs et pour toute la Ligue 1. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, le football aujourd'hui, ce n'est plus seulement un sport, c'est devenu une industrie mondialisée, une industrie de spectacle, une industrie d'entertainment, comme l'on dit. Et dans les industries du spectacle, il y a deux ou trois stars mondiales, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique. Dans le football, il y a trois stars mondiales, Messi, Ronaldo et Neymar. Et celle qui a le plus de potentiel, parce qu'il est le plus jeune des trois, est venu rejoindre le championnat de France en jouant au PSG. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la notoriété de la Ligue 1. Et ça veut dire qu'il va remplir les stades et qu'il va faire monter les audiences télé. Absolument. Donc Neymar, il a une valeur sportive. Neymar, il va permettre en effet une star. Vous savez, elle remplit les salles ou elle remplit les stades. Elle va faire augmenter les audiences, comme vous le dites. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une valeur marketing. Neymar, c'est une marque, en fait. Neymar, c'est une marque mondiale. 170 millions de fans sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire juste derrière Cristiano Ronaldo. C'est une icône mondiale, connue sur tous les continents. Le sien, bien sûr, le continent sud-américain, le Brésil, mais aussi l'Amérique du Nord et l'Asie, surtout l'Asie. Donc c'est une marque qui va être un peu une tête de gondole, entre guillemets, de notre championnat de Ligue 1 et qui va augmenter sa notoriété, qui va augmenter l'intérêt. Aujourd'hui, j'apprenais que les diffuseurs brésiliens ont décidé d'ores et déjà de démarrer une émission une heure et demie avant pour pouvoir montrer les matchs du PSG avec Neymar. Donc le retentissement, il est mondial. Alors oui, pardon de vous interrompre. Oui, pour le marketing, mais pour relancer le championnat sur le plan sportif, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Qui va pouvoir rivaliser avec le PSG de Neymar ? Vous savez, l'année dernière, le PSG n'a pas été champion. C'est Monaco qui a été champion. Donc on a aujourd'hui en France, disons qu'à part ces deux-là, il n'y a pas grand monde, honnêtement. Non, pas du tout. Vous avez Lyon qui a fait un très bon recrutement avec deux joueurs de l'Ajax, un joueur du Real. Vous avez Marseille qui a fait un très bon recrutement avec Luis Gustavo, un autre Brésilien. Vous avez Lille qui a maintenant un entraîneur que le monde entier nous envie, Marcelo Bielsa. Bon, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a aussi en France, ce qui prouve la nouvelle attractivité de la Ligue 1, des entraîneurs internationaux de renom, Ranieri à Nantes, Bielsa à Lille, qui sont venus. Donc vous avez 5-6 équipes. Nice, qui a conservé Mario Balotelli, qui est lui aussi une star. Vous avez 5-6 équipes en France, comme en Angleterre, qui peuvent disputer donc des places européennes, qui peuvent être dans les deux ou trois premières pour la Champions League. Mais pas forcément être champion. Pourquoi pas ? Regardez l'année dernière, au début de saison, personne ne pensait que Monaco ferait le parcours qu'il a fait. Bon, bien sûr qu'avec Neymar, aujourd'hui, le PSG va être favori sur le début de saison, c'est évident. Mais on a eu une surprise l'année dernière, pourquoi pas une nouvelle surprise ? Ce qui est important, c'est qu'on ait 4-5 clubs qui fassent la course en tête, qui disputent les places européennes et qu'on ait des stars, parce que ce sont les stars qui font venir les spectateurs dans les stades et qui font venir les téléspectateurs devant leurs écrans. Alors, vous le savez comme moi, le montant de ce transfert fait hurler depuis deux jours, 222 millions d'euros. Est-ce qu'il y a trop d'argent dans le football ? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, le football c'est devenu une industrie de divertissement. Aujourd'hui, personne ne se plaint des cachets de George Clooney, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt quand ils font un film. Personne ne se plaint des cachets de U2, de Coldplay quand ils remplissent le Stade de France. Voilà. Neymar, c'est une marque mondiale de divertissement. Et donc le montant du transfert, il est à la hauteur de l'enjeu marketing et économique qu'il représente au niveau planétaire. Une fois de plus, comme l'ont dit d'ailleurs de nombreux confrères dans la journée, y compris des économistes, parce que j'ai vu là-dessus le débat, mais le débat a été dans les deux sens pendant toute la journée, il y a beaucoup d'économistes qui ont dit que le football est devenu une entreprise de spectacle et qu'il y a dans des spectacles mondialisés, il y a deux, trois stars mondiales. Et donc, effectivement, dont Neymar fait partie. Merci. Merci beaucoup Didier Quillot, directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel. Merci d'avoir été l'invité de RTL Soir. 18h22.